à tous, je suis Super Creeperman en compagnie de Creeperman. et nous nous retrouvons pour l'épisode 5 sur cette map qui est quand même très galère. Maintenant on va attendre que Creeperman soit réveillé. Oui donc Oh j'avance trop vite. Oh. Par contre on a plus de nourriture, ça va être un inconvénient ça. Exactement. Donc tu attends. Attends, je te propose de mourir pour pouvoir. Ah non, on n'a pas le droit de sauter. Non, et on n'a pas le droit de mourir non plus. Ok. Du coup, j'ai plus que 5 cœurs. Est-ce que t'as quelque chose de spécial sur toi? Je te l'ai donné. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Si tu te retrompes encore une fois, ça va me faire perdre des vies et je vais mourir. Là, je suis désolé, mais je sais pas ce que c'est, hein. Croisons les doigts. Yes. Bah oui, c'est le bouc. Attention, en F5, pour que ce soit classe. J'ai encore le Apple AI Fruit. T'as vu, j'ai encore le Apple AI Fruit. Ah, je suis au-dessus de toi, je suis au-dessus de toi. Mais ouais, mais moi je m'en fous, j'ai un Apple AI Fruit. Ok. Très belle déco. Hein. Attends, faut se mettre à 32 chunks. 10 chunks. C'est pour ça qu'on voyait la montagne là-bas, c'est parce que... Enfin, moi, je la voyais parce que j'étais à 20. Bon, du coup... Une voiture. Moi, j'ai dedans. On va voir la voiture. Ok, on peut pas y aller. On va voir le truc bleu. On va mourir de faim. Bah, perso, je peux plus courir. Police. What? Vas-y. Hop. Coucou. Ah, il y a des... Alors... Ok, là, on peut mettre... La distance d'affichage plus haute temporairement. Waouh. Oh, il y a un bateau. Enfin, il y a un genre. Non, en fait, c'est pas un bateau. On a été rétréci. Ah oui. On a été rétréci. Qu'un maker. Adieu. Wow. Du coup, j'ai toute ma faim. Ah ouais. Il n'y a pas moyen de descendre là. Non, vaut mieux pas. Ah, ok. Attends, on court pas, vu qu'on a plus de nourriture. Ouais. Moi, j'en ai tout. Oui, mais là tu la perds vite du coup. Et vu qu'on a plus de quoi manger. Attention au trou. Oh, c'était très dur. Bon. Ça parlait à déco, il fait un peu noir, mais bon. Il y a plein de diamants. Je veux rentrer. Pardon, on rentre. Ah oui, Ça pour dire qu'il y a plein de diamants, il y a plein de diamants. Non, je crois pas qu'on puisse rentrer. Mmh.
Mystérieux. Franchement, savoir comment on pourrait rentrer. C'était quoi cette explosion? C'était un creeper. Un creeper. Ça aussi, c'est en météo. J'ai pas vu ça tout à l'heure. C'est très étrange cette salle. Ah, un creepy. Ça se trouve, faut sauter dans le vide. Faut pas sauter dans le vide. Et c'est pas le vide. Exactement. C'est pour ça que j'essaie de sauter dedans, mais en ayant plus de vie. Parenthèse sous le vide. Trouve un checkpoint. Ah, ok, attends, je vais. Et je vais me suicider. Ah ouais, quand même, c'est quand même bas. Est-ce que tu vois le centre? Est-ce que tu es au centre? Non, je suis en train de tuer un zombie. Bah quand tu seras au centre, tu vas direction nord-est. Plein nord-est et tu verras des échelles. Nord-est, c'est par là. Ouais, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, le mec il me spawn dessus. Tu dis quand t'es là. Attends, j'ai trouvé. Ah mais arrêtez de Ah, me je te spawn vois. dessus là, les tombards. Allez, il te reste encore quelques kilomètres à faire. Je te jure, s'il y a un Je vois zombie. un pseudo dans le sol, en bas. Mais ne spam pas, clique, faut pas spam clique. Je m'en fous. Ah! Mais tu leur fais aucun dégât. Moi, tu vois, j'ai tué en deux coups et toi, tu dois leur mettre 55 secondes. Ah bah attends, tu sais quoi, je vais descendre et je vais les buter. Non, Garde. tu cheats pas. Mais après, j'ai tout vu de refaire 300 km Bah oui, mais après. tu cheats pas. Oups, j'ai oublié de prendre les échelles. Puis hop, voilà. Hop. Et puis maintenant, il est derrière le truc. Oh. Pas bien d'attaquer les gens dans le dos. Non, bref, on monte. Moi, pour remonter, je vais me suicider. Je vais pas mourir par un zombie, je vais mourir. Je vais mourir. Ouais, bah j'ai plus trop d'autres façons de mourir en fait. En fait, je peux plus du tout mourir. Oh, il me reste un cœur. Oh, ça se fait pas ça. Oh, ça Donc, se re.
Il y a eu la T'as juste pénalité à de 10 sauter minutes. ici. T'as juste à te taper à moi et puis là tu meurs direct. Mais on se tapait pas. T'as juste à faire. Oui! Ok. Et là t'es mort. Non, j'ai juste demandé la permission à un zombie de me tuer. Allez, vu qu'on a un moyen de se suicider, on va. Je suis sûr qu'il faut aller à notre spawn, mais en mode en haut. Vite. C'est vrai. Je cours et je saute. Puis tu fais spawn les morts. Re tout le monde, donc désolé, il y a une petite ellipse. Donc, déjà, c'est pas intéressant ce qu'on fait, mais c'est problème. Des petits problèmes. Donc, j'ai fait une petite ellipse au montage. Me dis pas que c'était pas de ce côté-là. Oh. Je suis trop heureux. Je crois qu'on n'est pas parti du bon côté, mais je suis trop heureux. Pourquoi t'as Il y a un coffre rempli de nourriture. Bah, je prends la moitié, hein, donc j'ai pris la moitié, je t'ai laissé l'autre moitié. Même des potions de speed. Ça doit être le moment où je suis le plus heureux de cette map. On a des popos de speed 2. Par contre, vu que je crois que c'est de l'autre côté qu'il faut aller, et la nourriture, on va pas la gaspiller. On va retourner au à notre spawn en mode suicide, ok? Attends-moi! Attends, popo de speed quand même. Qu'est-ce que j'ai lancé? Mais par contre, si c'est pas par là. Je suis un peu en mode rage. La map ne veut pas se générer. Tant pis, je marche dans le vide. Ah, mais en fait, c'est des spawners qui sont là. Ils ne les tapent pas. Ah, mais ils ont commencé eux tout seuls à m'agresser. Pierre, tu cours et tu tapes personne. Mais oui, mais ils ont commencé à m'agresser. Et tu fais tête baissée comme ça. Ah, mais ils m'ont agressé alors que je les regardais pas. Tu m'attends à arriver au bout. Échelle, mais on va quand même voir ce qu'il y a au milieu. Arrêtez de m'agresser.
T'es monté aux échelles? Non, j'étais voir plus loin s'il y avait quelque chose. Et alors, il y a quelque chose? Je sais pas, je suis pas encore allée au bout. N'a pas l'air d'y avoir grand-chose. T'as encore ton speed? Bah, j'ai déjà utilisé ma deuxième popo. Ah, il y a un coffre. Aussi. Il y a quoi dedans? Je sais pas, je suis pas encore arrivée. Ok, plein de nourriture. Bah attends, attends, je me TP parce que là, voilà, c'est un peu chiant juste de marcher. On va prendre la pomme cheat, j'ai pris celle de l'autre coffre. J'ai dit, c'est bon, tu l'as pris. Bon. Attends, on claque une potion pour nous deux. Pause, miam miam. Je me croirais sur une autoroute. Le long truc tout droit. Stop, stop, stop. Ah non, c'est pas. Ah, je croyais que c'était ce poteau-là, mais non. La manière que je cours, cours de travers. C'est ce poteau-là, là. J'ai éjecté mon épée. Et elle a failli tomber dans le vide absolu. Pas de fail. Non, non. Je comptais pas me fail. Là, je te fais tomber les miettes dessus. Mange proprement, Creeper Man. Le checkpoint qui fait plaisir. En même temps, là tu tombes, t'es deg. C'est bien, ça fait un peu parcours la map. Mon parcours très simple, mais. Un petit peu hein, quand même. Après, va falloir arriver au milieu. La map est très jolie, là, on voit tout. Mais là, moi, je tombe, je rage. J'ai pas envie de sauter, moi. Dites de sauter. Y a quoi en bas? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut sauter? Allez, Géronimo. Bon, tant pis, je saute. Ah, il y a des toiles d'araignée. Attends, Géronimo. Et Géronimo. Ah ouais, mais non, mais c'est trop lent. Je m'en fous, Géronimo, quand même. Ah, on s'arrête là? Ouais, maintenant on fait quoi? Ah, il y a des échelles. Est-ce qu'ils ont une intelligence? À quoi ça sert de nous faire Il y a un descendre si bouton. c'est pour nous faire remonter. T'as pris un livre? Ok, c'est pas un film.
Bah tiens, je te laisse. Fait. Non, mais les boutons, je crois, c'est de la déco, je crois. Tu me pousses pas dans le vide. Alors, ok, ça raconte rien d'intéressant. Tomber. Me dis si tu trouves quelque chose d'intéressant. Ok, j'ai trouvé une clé. Ouais, bah en fait, là je crois qu'il faut qu'on trouve des Tardiskeys dans des coffres. J'en ai déjà deux, j'ai la 4 et la 5. Ça où toi? Dans des coffres. T'as juste à chercher des coffres et à les ouvrir et à prendre ce qu'il y a dedans. Il y a des boutons rouges, j'appuie dessus. Pas appris qu'il fallait pas appuyer sur les boutons rouges. Ah, j'ai la 2. Ok, donc on a 2, 4, 5. Et je crois qu'il en faut 5. Ouais, il en faut 5. J'ai la 3. Il nous manque que la une. Il y a un truc là. En fait, on est censé trouver les clés dans l'ordre. Après avoir trouvé la 1, ça va nous amener vers la 2, tout ça. Mais en fait, on trouve tout sauf la 1. Allez, moi j'aimerais vraiment finir cette épreuve dans cette vidéo. Tu l'as là, hein? Ah oui, c'est un coffre qu'on a déjà pris. Je regarde aussi dans les enclumes. Peut-être qu'on n'était pas censé tomber tout de suite, descendre tout de suite. Chanter. Ah non, je suis remontée que dalle.
La galère qu'on a. Mais ça se trouve, on cherche là, mais en fait, c'est au bord. Bah, moi j'ai déjà regardé un peu au bord, mais. Comment on fait pour trouver toutes les clés sauf la 1? Il y a un problème ou je sais pas, mais bon. Parce que la 1 est censée être la plus facile, mais celle que tu trouves en premier. Et mais pourtant c'est la 5 que j'ai trouvée en premier en fait, qui est juste à côté du spawn. Au pire, je vais longer le bord. Bah, c'est ce que je viens de faire, mais rien trouvé. Ça se trouve, il n'y a pas de clé numéro. Bah, si. Complètement bizarre et perturbant. D'ici, je vois rien. Hein. Rien de spécial. Pas moyen de tomber dans le trou. Non. Tu voles, tu cheats. On est bloqué. Suis sûr que la clé numéro 1 est par là. On a fait 50 fois le tour, mais on n'a pas trouvé. C'est bizarre. Alors, attends. Je regarde un peu. Décrit qui pourrait nous donner une idée. Trouve un bouton blanc enclenché. Faut que c'est en dessous d'un bouton blanc enclenché. Donc dès que tu vois un bouton blanc enclenché, tu regardes. Après, il faudrait déjà trouver un bouton blanc. La galère la plus totale. Si tu veux qu'on trouve un bouton blanc enclenché. Non, je sais pas. Je ne sais point.
Me dis pas que c'est là-bas qu'il faut aller. Ouais, et là, ça fait déjà plus de 30 minutes de vidéo. Donc, on va se quitter. J'espère qu'on aura plus de chance dans le prochain épisode pour trouver ce bouton blanc enclenché. C'est la galère la plus totale. Dépanner, mis à bottom left, right button. Là on est vraiment bloqué. Bah attends. Tu peux venir s'il te plaît à l'endroit où on doit éjecter les clés. Je te propose de déjà éjecter ce qu'on a. J'éjectais les deux que j'ai. Maintenant, expliquez-nous où est la numéro 1. T'es sûr que tu l'as pas sur toi, tout ça? Non, sur moi, j'ai rien. Bon bah c'est pas grave, on va faire ça dans le prochain épisode. Donc on espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. On va vous dire au revoir pour une prochaine vidéo. Bye bye. Donc re tout le monde. C'est pas la fin tout de suite. Il y a 5 petites minutes bonus, même pas. Une minute bonus, juste pour vous dire que... On a cherché le bouton un petit peu plus. Je sais pas comment on a fait pour pas le voir jusqu'à maintenant. On était juste là. La clé 1 était juste là. Tu donnes? Non mais. J'ai la bête. Non, ne la mets pas, t'es fou toi. Donne. Ah bah il faudra mettre dans. Ah oui, parce que sinon après il y a encore plein de choses qui vont se passer, tout ça. Et du coup on va plus arrêter. Donc maintenant, ça va être le vrai au revoir. Donc à Et pourquoi tout plus. ce qu'on je lance par terre, c'est de la stone? Ouais, moi aussi, c'est buggé. À plus. À plus.